Bio Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le Bio Cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Octobre 2022, dernier jour du mois d'octobre, mais nous venons de commencer une nouvelle semaine. Bon début de semaine. Nabino Baibosu Libakwa Kolanda Manaka Yapona Kongo Mokona Lelo Nazane Sengo Mingi. Yako présenté les bino Mama Yalikamba Mokona Lelo Tokolobela Mingi. Situation sécuritaire au Ezali Bongo na Est démocratique du Congo. Ninejo Sale Makuna, to Boyebi Malam Makamling Ezali ko Komakasi gouvernement Azwaki Mokano ke. Alors, il y a conseil supérieur de sécurité, Azwaki Bongo Mokano, il y a quoi ambassadeur rwandais, na Mboka Nabiso, et il y a Mikano et Jamaki Weekend de l'équipe dans le conseil supérieur de la défense. Kasili Kambetali Bongo, progression et Banguna, est-ce que les Alibongo important le lot au Béali Kambaya dialogue entre Bana Congo pour la Koluka solution? Voilà ma question, tout nana, pour tous ma réponse, les Alibres, n'a pas invité Nanga au bazar déjà, na plateau Nabiso Mokona le lot, et puis revendication à groupe rebelle. Est-ce que les Alibes n'ont pas encore signé l'indépendance indépendance que notre commun Mokona le lot, nini, les Alibes ont vraiment pour que ma Kambo ait continué. Bongo, Ndenge, Ezali Kosale, Mananga, Mosusu, Union Européenne, Asengi, na RDC, Rwanda, Bati, Kakubunda, Kasi, ba privilégier dialogue. Pourquoi? Alors, Tokolobela, Makambwana, Mionso, Oku, Ya, Ma, So, Nabiso, Pona, Congo, Yamoko, Nalelo, invité à Yambonde, Ko, Berku, Lo, Kale, Azali Bongo, cadre, Ya, Congo, positif, et moi, na, Moko, Ya, Katia, Lingomba, Union Sacrée, Onazo, Senga, déjà, à rejoindre, Nga, la plateau. Voilà, Mboka Mbote Nayo. Mbote, maman Naomi. Nous avons dit que Baoyo bazana na front butu tomoi na butu ya biso to lala bango ba obunda les résultats jusque ce matin selon ba information to zanango résultats na terrain isa positif donc biso attitude population et cause anango na minitoyo. Il faut à l'attitude il y a unité. Nous devons tous être en mesure d'être unis autour de nos forces armées de la République pour bitumba oyo, eza bitumba ya
régime y a président de sécurité bitumba oyo eza bitumba ya opposition pété mais bitumba oyo eza bitumba ya ba congolais nyonso. Très bien. C'est une guerre injuste qui nous a été imposée, voilà quoi. Donc nous sommes appelés tous à être unis autour des institutions en place afin que la paix soit rétablie. Merci beaucoup, monsieur Tozo Nandeko. Tozo Nandeko Mardossier Minga, coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Tozo Sénaï déjà rejoindre à Disso. Moi, je suis Mbo Tenayo. Bonjour, madame Naomi. Vous avez mon coeur, Bayo, Bazali, Bar ressortissant, il y a Est. Vous avez un message à relancer la population et Zolando Natango. Message de bonjour, c'est d'abord, il faut appeler ça à Longonia. Combattant d'Abisso, les forces loyalistes de la République, en même temps, on a précipité le mot d'Ambondambo, qui a fini sur de céder du Longo, pour la position, l'engagement, l'énergie, pour la volonté de gagner sur Colo. Et puis, on a mis son lien sur l'Est. Je veux dire, la partie où ils ont touché, où ils ont menacé, 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 où ils ont menacé. Et en même temps, cette situation est très importante parce que le Fongo, il va commencer une mission. Va comprendre réellement qui est l'ennemi des Congolais. Et puis, bah, effort nini, oh, il s'allait par rapport à Kursus, il y a nani, régime passé, bah, il s'allait ma bitoumé banda wapi, et souka wapi, et banana nini, bah, salapé nini, bah, tikeli Félix, tu sais, nini, pendant à côté pouvoir. Les lobes avancés, oh, Félix, tu sais, il y a quoi ça, là, et ça très significatif pour la bande, on a besoin de balan, à Kimia. Na ABC, bah, on a tout ça, là, on a un thème, donc, on a un thème, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons les soutenir. Très bien, merci beaucoup. Tu as la mozindo, tu as monsieur la bichon, ndeko mususu sous dosan la plateau, ndeko Luc Malembe, azali bongo cadre, il y a parti SID, paiement quoi les sanga politique la mouka, moi la mouka mbote na yo. Mbote mingi, madame journaliste, on a participé mbote na bako débatteur na biso, na batounyo so bazo langa biso. Oyebi que tu as un moment vraiment à mabe. Et puis avant la bande assise, na boy ba communication wa yakoya kolobake o situation na terrain kuna iza bien to boy ba communication wana situation iza bien te. Toza sima ya armée na biso, armée zo sala makasi, mais to boy ba communication wana ya kondormir population ki situation iza bien te, situation iza bien te. Nga na za mutu ya est, na za leader politique. Na ya wakope sa te ba information sensible mais na blobeli ba si bato bazola nda biso ke situation eza bien te totelema pona mboka mboka na biso eza en danger mboka na biso eza sous occupation biso sto e bien ngoka si bino ba ya opposition role na bino peza nini na tango ya mabese eza ka ko denonsa ka ko critiquer ka iso bome mepe ba opposition na bino. Très bien, au moni ke soki to komi na niveau yo eza po régime yo yo kakate. Ce qui te commune à niveau. Tant que régime est yaki, est-ce que tu as qui M23? Madame, est-ce que tu as qui M23 et Zobunda? Est-ce que Bounagan est. Ils ont la qui n'a pas le bel M23 parce que M23, problème c'est qu'ils ont un groupe d'agression. Ils 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 ont un groupe d'armée et na est, mais à Tamoko. Et si il y a un pays étranger qui a agressé mon cannabis, à Tamoko ici était administration, na ba village où il y a un pezui, Bunagana, Kiwanja, Rochoro, et zo géré ango. À Tamoko ezate. Nga na zamu tu aituri toza na ba dizaine de quoi zo géré à ta village mon côté. Qui a si a ba chef na ye, à Tamoko. C'est l'administration locale ezaka kawana, même si ba groupe armé. Donc M23 ezaka eloko mususu, ezaka agression. Ils ont danger à balkanisation en cannabis. Alors, ceux qui sont commis à niveau wana, ils ont pour régime et yo kakate. Tant que régime est commis, babandi babiloko na bango na kagame. Baye na kagame awa, na stade awa, ba betelie maboko. Ba fingi biso, ba na mboka. Ba lobi biso fayoulo aza étranger, sénégalais. Mdeko na bango est commis kagame. Ba bengi frère na bango. Ba tike, ba si li wana te. Baki ko signé bako toyebi bako rango te na kagame na goma à la télévision nationale les a secrété ozomona badlobike kagame rwander ezay bando ya na mboka na biso rwander babosani kezome ma ba mercen ba espion
Mais le président l'a reconnu, disons qu'il a privilégié qui on y arrive. On y arrive, il faut d'abord te rappeler. Donc, Rwanda est même, et il y a un espion à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, partout dans le pays. Balobi Rwanda est kobando raffiné or na biso. Balobi to kobando exploité ba richesse na biso ya or na Rwanda en commun. Balobi Rwanda lobi ko ya ko construire 300 maisons na Goma. Balobi police rwandaise est ko ya na Goma. So keza la kakibana mboka ya Goma ba telemela ki likambo na tembele salamaki. To lobeli régime o c'est très dangereux biloko bo sala na Kagame. Kagame za mututé. Azam ou toi confiance, Azam de côté, c'est un monsieur très rusé, très malhonnête. Oko salanae qui de côté, ba yo ki bisote. Ba lobi bisote, ba jaloux, ba haineux, ba sénégalais, ba ngonde ba yebi. Regarde où on en est. Mais problème, c'est quoi? Ezalo, voilà le problème. A si qui peut vous voler, les mouna konti, problème, mais quoi? Toujours solution. Naza d'accord. Est-ce que mon tweet, il y a au président Nanga, président élu Yamboka, Martin Fayoul a commis, a lobi, toti ananou, ba division na biso. Écouter classe politique bakoutan tout le langage moko voilà tous on est là on déco merci mingi mise au point il y a ministre de la défense à tel c'est que il a signé à tant que mon côté n'a gouvernement congolais au nom du gouvernement congolais quelconque accord pour n'abachat d'armes n'angambo ya industrie militaire russe et ça qui moko il y a bas rumeur au tambola qui et zali bongo il y a le quota alors tous on est là conseil de conseil supérieur de la défense au zala qui bongo week-end de l'équipe présidée n'a commandant suprême moko le président de la République, Bisika, Piba décida qui l'expulsion. Il y a ambassadeur rwandais. Votre réaction, M. Bercu, le Oyo, le fait pour la RDC d'expulser M. Vincent Karega, est-ce que c'est une solution pour notre problème de la guerre à l'Est? Bon, Madame Naomi, merci beaucoup. Nous avons une question de la opposition. Bon, pour moi, je suis en train de dire opposition, je comprendre que ba zolinga ba mema dossier oyo likambo mboka na biso ekuta nango sikoyo ba o mema ngona mutu a Felix biloko nyoso zolo ba wana na ebite soki ayo ke ayo kango a pisse des histoires faux et archifaux azo ayo kosa en plein plateau par respect pour cette population pour ces publics qui est en train de nous suivre de partout. Il faudrait tout le bamakamo oyo et ça solo par rapport à la situation au ezo le kanamboka. A lobi que n'a pas accord les a qui signé pour le Rwanda viennent exploiter l'or chez nous. C'est faux et archi faux. Accord Rwanda est en amawapi qui nous donne les évidences. Il n'en a pas. Donc il est en train de mentir ici sur le plateau. A lobi que. Toyokana gouvernement na biso et yokana na ba Rwandais ba ya kotonga 300 maisons ya la police ya ba policiers na mboka na biso. Mais cette histoire a été créée par l'opposition, c'est une fausse histoire. Ezaka ye moto mto vanda na est du biso tout vanda kuna. Ezaka coin auto maîtrisa. Donc, il est en train de mentir. Donc, vous niez tout en bloc. Même le fait pour le chef de l'État au Kenya Est, Bakutana qui n'a kaga, mais Kuna Mizaki qui n'est mis sur la caméra. Donc, Bakutana qui, ça c'est du point de vue diplomatique. Le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il s'est affiché un homme de paix, un homme qui avait la capacité managériale Mogozaki Likolo. Il est parti rencontrer tous ces gens-là. Akutana Kina Yori Museveni. Akutani na Kagame. Avant d'ici Bango autour d'une table. A lobby na Bango que dorénavant, moi, il faudrait que l'on parle autour de la paix. Et la paix doit être totale dans mon pays. Babiloko, oh, nyonso bozo affiché. Hypocrisie, nyonso, oh, yobino bozalaranango. Il faut botika yango. To lobité que né par rapport à diplomatie nae et ça là que bam lokutanyo soit nazo dégager ngwa ezala c'est pas ça c'est faux et archi faux rapidement mais par ailleurs dans le gouvernement oui. il a été conçu que il va falloir à ce que gouvernement rwandais ait construire 300 maisons et comment
Dans la réunion, nous sommes gouvernement, il y a une communication officielle, il y a gouvernement T dans ce sens-là. Donc tout ça, moi, je le rejette en bloc, c'est faux et archi faux. Quand on est sur le plateau, on doit dire la vérité au peuple. On ne doit pas dire des mensonges pour commencer à tisser la haine. Babylone, oh, Camerounais, oh, boy. Expulsion de l'ambassadeur rwandais, ça nous avance à quoi? Maman, nous sommes dans une situation de guerre. Le pays qui nous agresse, c'est notre pays voisin, sous casquette du M23. Il n'était que normal, et c'était le souhait, voilà, c'était le souhait de tout le monde. Il n'était que normal que l'ambassadeur Vincent Karega ne puisse plus rester sur le territoire congolais. Il fallait qu'il soit expulsé. Et mais moi, je pense qu'il faudrait aller même plus loin. Ça, c'est une recommandation que j'ai faite en tant qu'acteur politique averti. Il aurait fallu aller plus loin jusqu'à fermer toutes les frontières. Les frontières du Rwanda vers la RDC. La frontière Nyonsowana, il faut Ekangama. Même s'il faut appuyer le bouton sur l'armée. Moi, je pense que cette décision-là, c'est une décision qui est très, très... Et pourquoi qu'on soit en haut de l'Obandekorobi depuis le mandat Robert Tangwa pour le Kamba, expulsion il y a 25 carrés, car les Lundi m'a commis moi un peu pur, on dit, aux 8 solutions. Maman, les grandes décisions politiques ne se prennent pas par émotion, parce que, bah, toi, opposition, bah, lobby, tout ça, ce n'est pas comme ça que les grandes décisions peuvent se prendre. Donc, il était les décisions, les grandes décisions se prennent après avoir évaluation Nyonso. Et après toutes les évaluations, après toutes les preuves tangibles, il a été noté que le Rwanda est en train de nous agresser sous casquette du M23. Merci beaucoup, monsieur. Et monsieur, la décision monsieur, est tombée, Vincent Karega est parti. Monsieur Mardoché, il était temps de rompre la relation na Rwanda. Mais na kata communiqué wana apparemment le fait que Robin sa ambassadeur na bichoisa na Rwanda et ça mentionné et c'est là qui signe. Vous savez madame, c'est important makasi. C'est une question importante, mais accepte que na kozonga na ngona moi je connais na suka. On a relax sa bande ko ndenge. Na yina zongela ndiko na ngai na yiki to nyo so ba kongomani. Nous sommes une génération avertie. Na bande ke ba erreur, il y a un grand frère Nabiso, papa Nabiso, il y a la politique, la façon dont il y a la politique, ça nous a servi de leçon. Il y a un balot, il faut tout ça la politique, moi, de manière objective. Politique, il y a un solo, il y a vérité, il y a abnégation. Il y a quoi ça, il y a un Nabiso. Alors, c'est parce que ce régime ne comprend pas. Il est congolais. Quand je regarde son âge, il est déjà marié, il a déjà à vivre à la situation, moi, de Nabiso. Nous avons hérité de la situation de Mbokana Itani. Si tu es vraiment un véritable Congolais et que tu fais de l'opposition républicaine, Oyebi, Oyo Félix, c'est ça, il y a ma lame, Obedi Maboko, Oyamabe, Oyebi, Yezamabe, parce qu'on dit les critiques, ce sont des sanctions. Mais quand tu viens comme si tu fais une plaisanterie, Kolobana, régime Oyo, Toyebi, ça, c'est un mensonge, Yezamabe, Kolobabi, Bongo. Je voudrais vous dire une chose. Qu'est-ce que la Mouka, qu'est-ce que Fayoulou, ou soit mon frère qui est en face de moi, membre de la Mouka, a apprendre à Félix sur le plan diplomatique? Félix a rencontré depuis son accession au pouvoir plus de 10 fois son homologue Kagame. Pourquoi? Parce que dans le projet de société Félix Alobi, nous allons miser sur les relations de bon voisinage Naba voisin Abiso. Et sa disposition m'a bêté. Et ça, le roi m'a bêté. Si peut-être les relations étaient brisées, il y a Yébi Genamoka Nabiso, Awa. Mixage et salama, bazo ba Rwanda, ba kota ba kona kati armée. Mais na mona jamais Fayoulou, parce qu'à l'époque, il était moutapé perdé, azara na kati ya famille politique, il y a Joseph Kabila à l'époque. Il a goûté à la mayonnaise de Kabila. Alors à cette époque, Fayoulou n'a pas pu dénoncer que non, il y a métissage, il y a infiltration, ainsi de suite. Tshisekedi a compris qu'il fallait d'abord aller par le voie diplomatique. Ce sont les voies légales. Tshisekedi est régi par la constitution, il est régi par le loi de la République. Il ne peut pas inventer parce que ba élire ga lelo. Alors nazo Zoalikof. Non, ce n'est pas ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Sur le plan diplomatique, Mbokanabiso, il fallait essayer d'avoir avancé importante. Ce qui était utilisé pour le mal peuvent être utilisés pour le bien. C'est ça l'idée Oyo Félix Tshisekedi de notre président. Mais nous, on a paramé Simbi Penzate. Il y a un autre. La dernière cartouche, le chef d'État devrait recourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Il y a des décisions importantes. Il y a comme ça la guerre au Rwanda pour manifester parce que les lois, le but, Rwanda sont attaqués. Ils ont M23, wana, et ça, plan et balkanisation en Boka. Qu'est-ce qui a poussé Yandekonanga Koyebakeno M23 ont attaqué Bisson. C'est pour la première fois sous Félix Tshisekedi, où il y a un indice militaire rwandais sous le sol congolais. C'est avec Félix Tshisekedi, où pour la première fois, les Nations Unies a reconnu officiellement l'attaque. Et même le dire ça. Très bien. Quoi, l'agression du Rwanda contre la RDC. Ça, ils n'ont pas applaudi. Bah, le but est qu'ils aient avancé important, Félix Tshisekedi à Sali. On doit être reconnaissant et honnête, même quand il faut faire l'opposition. Toujours comme cela, Sima. Alobi, non. Le président Eli à Sali, tu Alobi, non. Il faut tout ça, Bagamoisi. C'est aujourd'hui qu'il faut le reconnaître que ce sont des histoires de pays. Ça n'a rien à voir avec le parti politique ou la famille politique. Ça commençait quand il faut commencer à remettre en cause l'état de siège décrété par Félix Tshisekedi, président public. Kabila, chef d'état-major, Azala Gazoulinani. Je ne sais pas comment on a Kabila, Azolo, Bosoa, Tribune des Nations Unies, avec l'énergie que Félix a dégagée, Bosoa, Tribune des Nations Unies. Tous à la réaliste. Tous à la non, je suis l'élève, je connais au retour et tout ça, la situation va mal. Il ne faut pas mentir les Congolais, les Congolais. Il faut qu'on soit honnête. Nous sommes agressés, on en dit, je ne conviens pas. Notre souci, c'est que nous avons une force armée. Nous avons des combattants forts. Nous avons des munitions. Le Congo ou l'armée congolaise, ils allaient qui infiltrer. La politique du président public ne devrait pas utiliser les personnes corrompues des années et des années pour exécuter sa vision dans le cadre de la restauration. Il y a paix dans l'Est. Il fallait procéder par les réformes profondes dans le cadre de l'administration militaire. Vous avez un nouveau CMG. Vous avez une nouvelle administration. Et vous avez vu, dans une semaine, les retombées. Il y a Christian Tshuwewe avec toute son équipe. Quand il dit qu'il n'y a pas de progression, c'est un mensonge, Bandeko. Il y a progression. Il fallait suivre les informations parce que la guerre est médiatique. Bango Bazoua Nalukuta. Yakolo, non, non, ça ne fait pas, la situation va mal. C'est pour décourager les Congolais. L'objectif de Nabango Yalamouka, c'est illégitimer l'effort à présent en public. Or, ce n'est pas. Mais pour quel intérêt? Nous sommes tous Congolais. Mais c'est ça, mais c'est à lui de répondre pour quel intérêt. Je suis en train d'avancer. Le chef de l'État a rencontré par la voie diplomatique plusieurs fois Kagame par la tripartite, n'est-ce pas? Mini sommet de Goma, la tripartite, la quatripartite de l'Angola, et ainsi de suite. Le chef est parti. Mais ça n'a pas abouti. Quand vous avez suivi les communiqués, n'est-ce pas? Il y a le ministre Nabiso Mouyaya, à Lobby. La présence de l'arrogance, n'est-ce pas? Dans le traitement des dossiers sur le plan, il y a des dispositions. Les conditions contractuelles, il y a un accord entre le Congo et le Rwanda. Il y a de l'arrogance, de l'impolitesse contre le Rwanda. On ne peut pas accepter, prétendre qu'on a une relation qui est entre Rwanda et le Congo pendant que les gens meurent. Le chef de l'État a utilisé tous les voies possibles, officielles, diplomatiques, n'est-ce pas? Pacifiques, pour que Rwanda a retiré le groupe rebelle d'ailleurs. A-t-il qu'à soutenir le mouvement rebelle? A-t-il qu'à congolais Kimia? On a compris qu'il y a eu un complice basé Bélé. Communauté internationale. Maintenant, ce qui est important, le chef a décidé pour dire, voilà, la FARDC est en force, n'est-ce pas? Loyaliste, Yambo Kanabiso, a une obligation. Parce que la capacité est allée à Kobenganaba M23, Kobetabango, Kobenganabango. Tout ça, c'est la capacité à déclarer guerre contre Rwanda. Et rien ne peut nous empêcher de le faire parce qu'il suffit, il s'agit de la protection de la vie de nos civils. Il s'agit de couper ou soit créer la fissure entre la vie à Bounjou Bawana. Oui, bien sûr. Mm. Alors, je peux vous dire qu'il est temps, n'est-ce pas, de se manifester. Le Congo agit en tant que pays souverain. Qui ce qu'il dit, c'est bas pour la restauration de la paix à l'Est. Et toutes les voies sont possibles, n'est-ce pas, pour que la paix soit restaurée. En ce moment, on n'a pas besoin que ces gens d'aventure puissent, n'est-ce pas, passer sur les plateaux à l'intérieur. Non, 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 ça n'évolue pas. Et de l'autre côté, voilà, on a dit, on n'a pas suivi. Non, Fayoulou, tout comme mon frère, n'ont pas de raison à faire de Félix Tshisekedi. Que ce soit sur les plans de la procédure qu'il a emprunté, que ce soit sur les avancées significatives. Fayoulou n'a contribué à rien. Et Nenga Bazawana, ils font les dernières minutes. Parce que ça, là, qu'il y a talaku politique. Batikabilo Rwanda, président de la République, a avancé significative. Dans l'Est, on a un retour, on a une présence de mouvements rebelles appuyés par les forces armées rwandaises. Mais la position aussi de la FARDC, c'est qui toque. La FARDC a contrôlé le mouvement de l'entrée au Rwanda dans Katamboka Nabiso. C'est ça ce qui a fait que le Conseil supérieur y a défense. Vous avez et c'est dans le gouvernement. En 15 secondes, qu'est-ce qui fait que tu es bien Karega, mais tu es bien ici ambassadeur Nabiso Tekosal? C'est un processus. C'est un processus, madame. C'est un processus. On commence d'abord par chez nous. Et quand il va là-bas, et devine les gens se prennent pour l'autre. C'est un processus qu'on ne vous dise pas que quand on prend la décision directement, c'est pour dire allez, lui il rentre et l'autre revient ici. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes dans un pays régi par le principe et nous devons le respecter. Très bien.
Merci beaucoup des collègues Malembe to lundi dengue conseil supérieur de la défense et pesa qui balobi kutu que ba observer depuis un moment arrivée massive ya ba élément de l'armée rwandaise pour nous appuyer ba terroriste du M23 ba ngba senga ki bongo est-ce que na makamion ce zotale ma o fermeture ya ba frontière na biso ezali moko ya ba solution pour nous essayer ça makambo. Très bien, madame. Nga na ya wa kosala ba débat ya CNCT à l'IVTT. Tu vois, notre pays est en danger. Na ya naza temps ba débat wana te. Écoute, bande konanga oyo bango mi balé bazo contredire même chef na bango ndeko Chilombo. Soki olanda ki ndeko Chilombo na BBC, na yebi ke balanda katate. Bango ba fandeli CNCT avec des informations alambiquées, ramassées. Ndeko Chilombo ye moko moi je l'ai suivi à la BBC tango azaki dernièrement à Londres. Et si Kalobi que Kagame l'a poignardé par les deux. Elingi Kolobane. Elingi Kolobake, en réalité, Andimi qui est Azaki naïf. Or, Awatozana, au sommet de l'État, erreur Zaka permise, c'est madame. On ne vient pas commettre. Parce que erreur Moko Yachilombo, voilà les gens qui payent les prix aujourd'hui. Eza Basinaban. Au monaki ba photo, et ba tubazo kima. Des vieilles femmes. Non, monsieur, quand vous parlez, ayez un peu de. Moi, je n'ai pas parlé. Il faut écrire, monsieur. Alors, nga na nini na lobby boy, une erreur ya Chilombo et qu'on coûte vie à des milliers d'innocents. On y est. Ok? Deuxième chose, nini M23 et bandi honyoni na bangomba wana qui nous sépare avec le Rwanda. Malembe zui bunagana et fandi wana pendant 4 mois régime au etiki angokuna. 4 mois. Armée zaki na position ya défensive. Et bando attaqué te pour na kozwa bunagana. Biso tokanisa ki ke régime oyo ezo s'équiper armée na biso ezo se préparer pour relancer front ya kozwa bunagana. Regarde où on en est madame. Rutshuru eke centre Rutshuru centre eke kiwanja eke. Ozo comprendre. Nini quand ya rumangabo eke. Ozo comprendre madame. Et bazo avancer. Non, si vous avez avancé, non seulement, mais si vous armez la bise aux bunda, mais est-ce qu'armée ça n'a pas été en bonne condition à Kobunda? C'est ça la question. Je viens de vous démontrer que après que Basali ba nomination na bango oyo, oyo ba lobazo lobawana, voilà les résultats. Nana ba ma budget à défense, c'est ça, mais c'est par 10. Non, c'est des papiers, madame. Est-ce que yo moni nga na to linga ba débat à bongoté? Je voudrais que vous me disiez, régime oyo depuis hier, et somba combien d'avions militaires? Et somba combien de chars? Et somba combien de drones? Rien. Toza na guerre moderne, madame. Guerre à relo, eza bongo toko tinda ba armé, ba soda na biso kaka boye, na maboko pamba, et puis olobi ba kendo bunda. Ça, c'est quelle guerre? On ne peut pas mener ce genre de guerre au 21e siècle. Guerre à relo, eza guerre à logistique, guerre à équipement, guerre à intelligence. Oza na besoin à kozala na 1000 hommes, 2000 hommes, te oza na besoin à équipement. Régime oyo ba fandeli jouissance. Ba voyage, improductif. Tourisme d'État, au bazo benga diplomatie, bazo le baké au oni quoi. La même ONI nous demande d'aller négocier, bâtir biso dos à dos avec le Rwanda. L'Union africaine, aussi. C'est quel genre de diplomatie bazo le babassani? Moi je suis de cette formation là. Mais avancer quand même, Isali, de ce côté. Il n'y en a pas. Le fait tout ça, ce n'est pas les USA qui vont régler notre problème. Parce que les USA soutiennent le Rwanda. Bazo endormir biso na régime oyo na ba tuna bango ba basene ba fandi na séance te baba ISA va nous aider. Les ISA sont derrière le Rwanda. OK? Comment on peut compter na batwana? Toza seul. Aujourd'hui le peuple congolais est seul. Et puis ce qui au moni faillu la commis pour nous. C'est pourquoi? C'est parce que on se rend compte que biso nyo ce pays, toza net toza na avion, n'est-ce pas? Toza na zone de turbulence, mais pilote aza charlatan. Ozomon, ce qui t'olobique, to fanda kaka wana tozo critiqueye, toko koya biso. Mais justement, pourquoi? Alors nous sommes obligés, mais na batika arrogance, parce que toutes leurs méthodes ont échoué. État de siège, échec, sur échec. Ils vont d'échec en échec. Diplomatie na bango, échec. Ozomon, balobi ba yen armée ougandaise, échec. Et puis eloko na zo lingate na régime. Pour eux, c'est seulement le Rwanda qui est notre adversaire, pas l'Ouganda. Quelle erreur! Est-ce que va expulser l'ambassadeur ougandais? Alors que le M23, on est très clairement sûr. Mais le fait de dire que l'ambassadeur rwandais qui est déjà. Non, ougandais aussi. Ougandais aussi. Et puis, au tu rappeler, moi je suis de cette formation. Avant d'expulser un ambassadeur, il faut nous rappeler à yo.
Ça, c'est l'amateurisme, cher monsieur. Tu ne connais pas ça. Moi, je suis de cette formation, ça. Ok? Oye bien, ngote, koya ote kokolobalo. Avant d'expulser votre ambassadeur, au Bandakana, nous qu'on rappelait Yayo. Pour consultation, après, on expulsait à Bango. C'est une erreur, il faut corriger ça. Il faut pas tout vous. Il faut pas tout justifier. Il y a l'ambassadeur rendez l'accès le côté. Depuis quand on l'a demandé? Depuis quand, madame? Tout ça, agresseur bandit le loté. Bounaga n'est pas occupé ça, ça fait combien de mois? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Non. Et puis, ce que nous on attend, c'est quoi? Ce n'est pas tout ça. Ces petites solutions cosmétiques là, pour au moins les une décision en attendant le retour de quoi, tant au manga de quoi. Ok. Bah moni, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut trouver quelque chose pour gérer. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de quoi endormir sous population d'Abisso. Tosi toyebike, ndekoti lo monenga zawana, il n'a aucune solution à cette. Il a juste créé le problème. Mais azana solution. Merci beaucoup, monsieur. Non, nazo chité wana. 15 secondes, rapidement. Na lobike, to boyi toyo kasusu biloko ko négocier na baluanda soki na Nairobi. Que nous soyons clairs avec ce régime. Pas de négociation, non. Plus de dialogue. Ce qui régime au Monique est capable à comme ma biso na bitumbate balongwa. Balongwa, on va trouver quelqu'un. Ah mais pas président, parce que qui est batunier question, sur aux face à Kagame mais la problème à est au Lobani. Non, mais est-ce que l'inga qui disait que chacun s'occupe de non, est-ce que l'inga qui la solution? Non, c'est pas ça. Critiquer c'est pas ça. Est-ce que yo l'inga aux ela qui président appelle sa plan à la défense en boka na média. Ba ça la kango. Mais pourquoi pas? Ba ça la kango. La défense, madame. Tout ça, le problème. Oui, mais est-ce que défense, est-ce que tant que alobi que to sangana, to kutana, nous sommes prêts. Moi, je suis de ceux qui disent à Fayoulou, je suis prêt au kutanana de Kotilom. Kutanana Kamere, kutana tana Kabila, il n'y a pas de problème. Là, il s'agit d'abord de notre pays. Alors, bango batika arrogance. Parce que ce qui t'osa à niveau, c'est à cause très de bien. Leur incompétence. Merci beaucoup, Ndeko. Tous ont un décobercule. Est-ce que ma soutien déclaré par les différents pays, le Conseil de sécurité, qui manque ma manière, il y a là, les Congolais pour nous, alors que ma rameuse s'empirait. Merci beaucoup, la question, Madame Naomi. Na lingi na récupéré quelques poussières de secondes na recadré ndeko nanga compatriote nangai ya opposition. Au fait sur le dernier volet par rapport à ma déclaration nae, l'opposition cherche quelque chose de son contraire. Lorsque Félix était en train de faire des voyages diplomatiques, Bango nde bazaki bato ya liboso ya koloba ko telema. Oh, diplomatie na ezo sala eloko te. Oh, diplomatie na eza eloko te. Oh, y a pas de réaction sur le plan international. La communauté internationale ne reconnaît pas que le Rwanda nous attaque. Oh, boy na boy. Félix n'est pas écouté sur le plan international. Blinken est arrivé ici. Ils se sont plaints encore. Je les ai suivis sur les médias, j'ai suivi leur président sur les médias en train de dire les États-Unis ne reconnaissent pas que le Rwanda nous a attaqués. Mais les États-Unis reconnaissent qu'on est attaqué par le Rwanda. Ils reconnaissent que le Rwanda et bah, Rwandais va appuyer M23. Bah, Rwandais va attaquer ce territoire. Bah, territoire n'a plus son maman, pardon. Maman, pardon. Pardon, maman. Pardon, peut-ce que ça rappelle ma tante? Je vous en prie. Akoka Tangate, s'il te plaît. Lélo, langage diplomatique est changé. Les États-Unis reconnaissent que les Rwandais, bazo attaqué le territoire Nabiso sous casquette, il y a M23. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont ramener la paix au pays. Et puis, pour votre information, mon cher ami, apprenez ceci sur ces plateaux que l'achat des équipements militaires ne se dévoile pas. L'achat des équipements militaires passe sous une discrétion absolue. Parce que ce n'est pas ici que l'on doit crier « Oh, et oh, VDC, ils sont mis combien d'hélicoptères, ils sont mis combien d'avions militaires, ils sont mis, ils sont mis, ils sont mis. » Ce n'est pas sur le plateau que cela doit se dire. Pour votre information, ce n'est pas sur ce plateau. Ça se passe sous une discrétion totale parce que nous sommes en guerre. Nous sommes agressés. La situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays, Félix Tshisekedi
Akuti yango, il faut pas mentir au peuple ici. Oh, administration, bisotozawa, administration, oh, na Ituri, oh, aucune administration étrangère n'est faite. Oh, aucune administration dans le Nord Kivu, oh, Boenaboué. Bah, Félix est venu et comme administration est comme Mibale. Il ne faut pas mentir aux gens ici. À l'époque de Kabila, en 2014, la ville province de Goma, la ville plutôt, la capitale du Nord Kivu, Goma, était tombée sous les mains de rebelles du M23. Tu aux Obosana ou bien nous. Il ne faut pas mentir aux gens ici. Lorsque les rebelles de M23 avaient pris la ville de Goma, ils avaient installé quoi comme administration? Est-ce que la situation ici, c'est Félix qui l'a créé ou il l'a trouvé? Félix Tshisekedi a trouvé une situation et il se bat comme un fou. Il se bat, comme je vous dis, il se bat jour et nuit comme un fou pour retrouver la paix totale à l'est du pays. C'est pas aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, madame, avant la Sissa. Avant la Sissa, propos Nanaï. Maman, Namini Toyo, vous savez, c'est ça le problème avec l'opposition. Tozana Mboka Moko, si le pays est attaqué, les opposants doivent être autour d'une même table, trouver et monter des stratégies et chercher à rencontrer le président de la République, échanger avec lui, lui faire des propositions. Maman, initiation et initiative en Egogo Outa et pas à n'importe qui. Ata et pas à Moutounioso. Merci beaucoup. En proposant des stratégies. Maman, na Ukraine, pardon, Volodymyr Zelensky, son pays est attaqué. On n'a vu aucun opposant, il y a Ukraine, lever son doigt et soutenir le M23. Lever son doigt et attaquer, s'attaquer contre le président ukrainien en lui disant « Oh, sali boyete, toi, et ça qui osa la boye, toi, et ça qui osa la boye. » Ça ne se fait pas en moment de guerre. Il faut être tous autour d'une table pour essayer de trouver la solution. Parce que cette situation, ce n'est pas Félix qui l'a créé. Ah, tika koko ça. Félix n'a jamais créé cette situation. Ndeko Mardoché, Lelo Oyo, est-ce que ma différence soutient aux autres qui n'a conseil de sécurité à apporter quelque chose? Le Togo Kolobaki, RD Sazan Balié, sur le plan international. Naomi, merci beaucoup. Je pense que tu vas me donner 20 minutes. Vous avez 5 minutes. Rapidement, oui. Je pense que le problème au départ, il faut d'abord comprendre le problème des animes. Parce que yo. Tu ne connais même pas les mobiles de la guerre de l'Est, c'est quoi? Ça se passe comment? Donc je comprends que tu ne maîtrises pas quelque chose par rapport à ça. Je vais vous dire une chose. Le Congo a signé un accord, n'est-ce pas? Il a un membre de l'ONU. Congo, parmi les 143 pays membres, hein? La République démocratique du Congo fait partie comme le Rwanda aussi. La richesse de l'Esnabiso est convoitée par le Rwanda en connivence de la communauté internationale qui utilise le Rwanda comme une minorité qui est victime de ceci et de cela. Aujourd'hui, nous avons une nation pluriétatique, les Tutsi, ce sont des nations où nous avons une ancestralité. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Il faut battre un peu au Congo dans l'embargo. Je connais bien l'histoire de l'embargo. Que le Congo, pays non sont membres. Il y a ONU, il y a un produit Minduki, à côté de la mission Minduki. C'est ça ce que j'ai fait à Margot. Donc on ne peut pas importer. Tout ce monde qui est en Amérique, tout ce monde qui est en pays, nous sommes membres de l'ONU, tout comme ça, on a un peu de Mais c'est quoi l'urgence? Je ne sais pas si on a bien. Urgence, les animes. Le civil dans le pays, ils sont attaqués. Attaqués depuis quand? Depuis 1999. Oh, il y a un peu de temps, il y a un peu de village, ils égorgent les gens, ainsi de suite. Et là, on a mis balé, sali mixage, Rwanda va côté armé na biso pour contrôler de plus près. Qu'est-ce que le Congolais développe comme plan pour qu'on sauve la civile na c'est qu'il n'était pas président, c'est Kabila qui était président. Ton président Fayulu était dans ce pays. Chikoyo, Batouana, Bazoku Fabongo, Rwanda Baza Awa. Pour la première fois, un civil, un amateur, a continué à pouvoir décréter état de siège. Yo le bien salué de l'autre côté, mais nous savons que l'état de siège a fait beaucoup de choses et a freiné beaucoup de choses. Ceux qui bandent au Nabi sont bandés par jour 500 égorgés, tués, coupés en morceaux. Aujourd'hui, on n'a pas de photos sur les réseaux sociaux où il y a plus de 500 personnes coupées en morceaux. Il y a une réduction de morts à l'est du pays. Et qu'est-ce qu'il y a à la base? On ne peut pas aller à l'est, madame Rolbi. Non, non, on va réduire la guerre avec des actions. Non, on va avec une stratégie. On va faire un état des lieux. Et l'intérêt doit être fait. Bah, ça, on n'est pas banani.
Parce que bah, oh, bah, armée, et belé bah, corrompu. Et belé bah, en connivence dans le mouvement rebelle. Et belé bah, collaboré dans le pays vason et agressif, mais bah, na pété. Bazana Sokoto, il y a armée Nabiso, Nakati y a institution. Le pays était en un danger permanent. Fayou était ici, toi tu étais là. Un danger permanent, administration militaire Oyo, Balongoli Oyo. Et Zaki en collaboration, Naba, rebelle, Naba, Rwandais. Ça tu connais. On a arrêté ici sous Félix, tu sais qu'il dit beaucoup de gens qui sont en prison. Et c'est un processus comme ça touche la sûreté de l'État. Ça ne peut pas se passer comme les actions politiques. Ça se passe en discrétion. C'est quand le mec est non Congo, il fallait qu'il soit Mamounduki. Il fallait que Congolais qu'il soit Mamounduki Wapi. Parce que nous sommes dans l'embargo. On a même négocié ici pour que l'embargo ait l'ombre. Parce que nous sommes menacés, nous sommes en guerre. 30 secondes. S'il vous plaît, vous avez suivi le point de vue, il y a communauté internationale ou conseil de sécurité. Je suis en train de lui répondre parce qu'il y a un peu de que Congo, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il faut être honnête, tout le bateau. Il faut avoir le sens d'humanisme. Je veux revenir dans son domaine. Tu as dit non, dans le domaine, quand on appelle quelqu'un, tout ça. Nous, en droit, nous disons actori incubint probatio. Celui qui allègue un fait, à la charge de l'approuver. On ne peut pas dire. Non, non, le Rwanda nous agresse. L'Ouganda nous agresse. C'est en termes de responsabilité pénale en droit international public. Toi, tu n'as pas de preuves qui lient l'Ouganda au massacre de l'Est, qui lient l'Ouganda, même si nous savons qu'en coulisses, n'est-ce pas? Il y a des témoignages. Non, les témoignages ne suffisent pas dans l'administration de preuves, madame. Vous comprenez? Et puis je vous demande une chose. L'Ouganda est pays membre de quoi? De quoi? De la convention de 1998. Oh, il y a Botalelo, tribunal international, il y a Pays-Bas, oh, on appelle comment? La CPI. Au Congo, c'est quoi? Lorsque un pays nous agresse, il y a des preuves, il y a ceci. Et quand on a une juridiction compétente, on peut juger Makambuya, Rwanda, na Congo. C'est le Conseil de sécurité, ou bien nous sommes membres de l'ONU. Qui peut régler un tout petit peu sur le plan sécuritaire, ma Kamunabiso, na Rwanda. Mais il fallait quoi? Il fallait d'abord établir la culpabilité. Rwanda a attaqué Biso par quel moyen? Bozo le Bangona Munoko, vous prouvez quoi? Pour justifier que le Rwanda nous attaque. Ça fait plus de 18 ans, on n'a jamais prouvé que le Rwanda nous attaque. Bah, on peut pas développer le plan là-bas, il se camoufle derrière le mouvement rebelle, les soi-disant Congolais convertis. Nabali Nabiso, s'il vous plaît, madame, donne-moi même 20 secondes. Pona, nous sommes des Congolais, nous revendiquons. Tout ça la réintégrer dans la carte armée. Oh, ce sont les Rwandais. Plan à Bango pour pas maintenir le même plan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, toi, tu me dis, l'Ouganda, pourquoi il n'est pas ennemi? Qu'est-ce qui prouve que l'Ouganda nous attaque? Même si l'Ouganda nous attaque. Jusqu'alors, le Congo n'a pas encore mené des efforts pour amener ce qui lie le combat de Rwanda à l'Ouganda. Tout ça le réaliste. Tout ça, il n'a pas massacré. Non, l'ambassadeur, il faut qu'on vienne à Yakuna Azonga. Toi, tu dis c'est dans ton domaine. Moi, je suis un encyclopédiste, frère. Je suis juriste. Je fais le droit public. Je voudrais que tu me donnes une disposition légale ou dans la doctrine que toi tu as appris. Que non, il faut d'abord interpeller l'autre qui est là-bas revenu ou soit ça relève de ton imaginaire. Bah, quand on est dans la communication, il y a bon côté. Biso na minute, tu as toi, ça va toute vérité sous l'embargo et en bon biso, tu as minute, tu as minute. Il fallait te recourir, tu as utilisé le moyen moussous. Soit on va signer la guerre contre le Rwanda avec le moyen que nous avons logistique. Très pour bien. Faire la guerre au Rwanda. Merci beaucoup, Léco. Vous comprenez? Merci. Tous les tour de table, et si vous avez 10 minutes, quand vous avez la solution, le Congo est en guerre. Au-delà de l'appartenance politique, au-delà que nous avons opposition, nous avons majorité, on a un problème. La solution est à Nini. Tout ce qui est interne, nous avons un boy. Oh, 18 ans, oh, Nini. Donc, nous avons la solution. Tous les gens sont en guerre. Le Congo est occupé. Le Congo a un problème. Quelles sont les solutions pour le Rwanda? Crise au. Très bien. Na sepeli na question wana. Na kaniso landi bande konanga oyo bae ko raconter vie na bango. Ba ata solution moko eko bima. Ozo mona, c'est ça leur problème. Ce que ozo landa bango, ils sont là à se justifier, à accuser, c'est tout. C'est quoi la solution? Bazana ngoti. Ozo mona. Alors, pour nous, c'est quoi la solution? La solution, c'est que to boyi ambiguïté yande ko chilombo. Parce que on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Tu lingi to sala bitumba ou tu lingi to négocier. Ça c'est pas ce que tu dis là n'est pas une solution. Il faut toye ba ligne na biso. Tozo sala bitumba, tozo sala diplomatie ou bien tozo sala négociation dialogue na banguna na ba étranger. Oui, parce que on a la preuve aujourd'hui que ba mekaki ko sangisa ngo ça échoué. Ozomon, il faut pour la population congolaise aujourd'hui, il faut tout ça la bitumba na Rwanda. Cette situation n'a pas commencé aujourd'hui, madame. Cette situation a duré 28 ans. Ça fait 10 millions de morts na Ilokoyo.
Vous comprenez? Rwanda, ils ont mis. Ils ont négocié dans le M23 et le Bamou Soubakoya. Histoire dans le Bandi, 96, Afden. Banyamurenge balobi biso to boyeli bango ki kongolais ango bazui mandoki baye bazui pouvoir ao est-ce que sila basali RCD gom ba pesa bango ba vice président ba Rubero ao est-ce que sila basali CNDP a Laurent Kunda ba pesa bango ba mixage est-ce que sila basali M23 a Liboso na 2009 est-ce que sila d'ailleurs muto asinya ki accord du 23 mars ya oyo ezo memela biso ba problème eza recrit na bango oyo oyo mususu ndeko muzito. Nda signé bloko wana nda zaki premier ministre. Est-ce que si là tala tous M23 mosus. Attends ce qu'on négocie na bango va créer parce que le problème c'est notre pays qui veut. Mais la solution est que est-ce que le pays a le moyen d'aller na on en a. Nous avons un peuple mobilisé. Toza na armée. Il faut na lingi to loba toza la clair na ba jouisseur ya biso ba oyo ba parce que bango ba zo ki pouvoir na ndenge ba zo ki na kata mboka to lobe na c'est ça bango ba kanisa ki ke pouvoir ya ki président ezaka ba honneur na ba voyage na ba veste. Non, c'est toute une responsabilité et ils sont là maintenant aujourd'hui. Tu as la prestation médiocre et on est en train de payer le prix aujourd'hui. Donc to définir ligne c'est la guerre. To ti ambiguïté. Tolingito yo kasusu ndeko chilomba ke na Nairobi te ko négocier na parce que c'est ça leur ambiguïté. Ozolo bozo ça la bitumba lobito yo ki na Nairobi. Susu na ba M23. On ne fait pas la guerre comme ça. Ça démoralise les troupes. Donc on définit la ligne. Na lobby awa ke nga Luc naza prêt, naza parmi ba conseil président Fayulu, naza prêt ko lobelaye kutana na ndeko chilomba. C'est d'abord notre pays. Est-ce qu'on y est? Oui, parce qu'il faut d'abord tous à la cohésion interne. Pourquoi qu'il y a un habitumba, ce qui est divisé? Est-ce qu'on y est bien de Kotilombo a rencontré tous les gens du monde, mais il n'a jamais rencontré ses propres compatriotes. Parce que ça la politique, il y a émotion. T'as là de Konanga juriste, a y est bien que Ouganda est qui condamné la Cour internationale de justice pour les crimes commis au Congo. A y est bien. À plus de 6 milliards de dollars et commis le lot 300 millions. A y est bien. Azomi benga juriste. Et il veut me demander ici, prévenir Ntoza Nangoki. Non, c'est quel genre de juriste? Donc, allez en guerre, mais avant tout, dialogue en interne. On doit avoir une cohésion interne. Donc, Totia Nanou, des côtés. Bah, orgueil, Zangitina, Totia, Nabiso, Bisope, bah, opposé, Totia Nanou, des côtés. Bah, Nini, Nabiso, bah, petit querelle, Nabiso interne. On va y revenir. Nini, incompétence en Nekotilom, on va y revenir après. Mais Nanou, Tosolola. Moi, je suis prêt à le conseiller à mon président, Bango Peba Salango. Tout le monde qui peut apporter quelque chose, même Kabila, tout le monde. Bakutana, qu'on définisse une ligne. Batikana nous jouissance na Bango, na salaire éternel, Bazimipesaka. On met tous les moyens en disposition de l'armée. Voilà, ba salaire au besoin à l'État, 60% à budget national, les abino. On donne tout à notre armée. Parce que, madame, ce qui te sale en côté, il faut surtout que la population de Kinshasa ait comprendre en gros. C'est que le Rwanda vise Ezaka Kagomate. Ok? En 1996, Tango Afde le Bandaki. Résumé à Mobutu Ezaki Neti Baoebo. Bazo Salawa, Djalelo, RTNC, Bazo Bina Miziki. L'Afde les a trouvés à Kinshasa. Kagame Alinga réédité Elokoya 1996, c'est Afde. Nous devons ouvrir l'œil et les bons. Nous devons prendre toutes nos dispositions, sauver notre terre. Il n'y a pas un peuple sans terre et un peuple zakaté. Nous là, il n'y a pas le Congo sans Goma. Luc Malembe, merci beaucoup. Pourquoi le chef de l'État Zokutana Batnyoso, Nikaotu, vous soulevez en haut et sauf ma frère Nayana Katamboka, pourquoi vous vendez la tête pour une solution? Ma solution, rapidement, est votre mot de la fin. Bon, merci beaucoup pour la question, Maman Naomi. D'abord, je voudrais rappeler à mon frère que le président n'a jamais refusé de rencontrer qui que ce soit de l'opposition. Vous savez, au début, tant qu'on a eu le pouvoir, il avait même cherché à pouvoir échanger, à approcher le président Martin Fayoulou pour que se mettre ensemble avant de travailler. Mais Boyebi, Martin Fayoulou, position na minito azo revendiquer kaka victoire à l'élection pendant que tout est dans l'élection Moussous. Donc, il a toujours cherché quelque chose de son contraire. On ne sait pas de quelle manière il se permet de distraire la population. Tous ces opposants-là qui se permettent de distraire la population. C'est ça que j'ai dit. Yangona Oloba, Awa Tozana Urgence, Mboka et Zanakati Abitumba.
Nous avons besoin à ce que tous ces opposants-là, au lieu de monter des stratégies, comment ramener le peuple, leur distraire, côté, oh, Bokende Nanzela, Bosalaboué, Bosalaboué. Tous ces jeunes qui critiquent le régime en place devront se mettre tous ensemble autour d'une table, proposer des stratégies, et ces stratégies pouvant permettre à notre pays de retrouver la paix. Ça, c'était de un. De deux, Ba opposant nyonso. Oyo, ba banda ko évoluer na hypocrisie. Pona nini na olo ba banda ko évoluer na hypocrisie. Awa uti ko loba, ce n'est pas la communauté internationale qui doit ramener la paix au pays. Mais ils sont les premiers à aller accuser les régimes en place devant la communauté internationale. Comment est-ce que nous allons retrouver la paix en allant accuser le pays à la commune, hein, devant les frères et sœurs de l'Europe. À tout la place président. Aïe, il y a une place président, aïe, accueilli. Place, nous avons revendiqué la victoire pendant que Mboka est en Bitumba. Nous voulons à ce que tous ces gens-là puissent se réunir et trouver une solution. Solution, moi, personnellement, en tant qu'acteur, analyste politique averti, pour Nangaï. Nous devons nous appuyer sur les forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous devons les équiper comme il faut. C'est ça que le président est en train de faire. Pour que l'ennemi toko isaye. On n'a pas le temps de commencer à publier des informations. Parce que Bitumbao, j'ai rejoint mon co-débatteur. Bitumbao, ce n'est pas seulement une guerre. Il y a des armes sophistiquées, mais c'est aussi une guerre de communication. Merci beaucoup. C'est aussi une guerre de communication. Je comprends Doché, toi aussi, Lisa. Ma proposition, n'a pas eu la crise. Ma proposition. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que qu'est-ce que le M23 revendique normalement pour Bazo Poussana, comme un ambo cannabis, et puis comment sortir de cette situation, et puis que ça soit définitif. D'accord. Merci beaucoup. N'a pas dit que. Donc, comme il y a toujours fait sa proposition, sa solution, pour conduire Bayoka. Mais je voudrais dire à mon frère qu'il faut attirer la comédie en ce qui concerne la sécurité de l'État. Il faut reconnaître les avancées où il y a un peu de sali dans le domaine où il y a un peu de frappé dans la tractation, il y a cash FCC. Il y a un peu de COVID-19. Mais qu'à cela ne tient, le chef de l'État a tenu et il continue toujours à tenir pour que la paix soit restaurée de manière durable à l'Est. Je m'explique. Félix Tshisekedi est élu président public à Kouti, armé Nabisso. Quelques-uns, il y a le chef, il y a une décision dans quatre administrations militaires corrompues, parce qu'il collabore avec un ennemi pour faciliter la tâche et bien le Kangami. Tu peux être chef de l'État Longonia. Et là, on a mis balai. Il ne fallait pas que les Français disent mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Il fallait procéder par les réformes dans la carte armée. Batia Bakonzasika, Obazana Bolimamboka, Obazana Énergie Moussous, dans la carte vision Mokonzamboka, pour qu'on ait une stratégie de retenir en place parce que les ennemis ont évolué. Batia Kibiso a un embargo sur base, il y a concertation, il y a communauté internationale dans Rwanda. Pour tous, ils ont une position de faiblesse, tous ont Minduki, Oyo, ils ont sophistiqué, modernité pour faire face, n'est-ce pas, à l'ennemi. Tous à la victime, il y a agression. Alors, vous avez compris aujourd'hui que le chef de l'État a dit, en dehors de tout ça, il fallait qu'on ait raison. Donc, il y a une voie diplomatique, tu as eu raison. Donc, il y a une négociation, tu as eu raison. Pour que quelqu'un ne dise pas que le Congo n'a pas fait ça, le Congo n'a pas manifesté la volonté de ceci, le Congo n'a pas dit ceci. Pour le moment, bah, qu'on reproche Bissot et l'autre de mon côté. Jusqu'à ce que le chef de l'État, aujourd'hui, a réformé l'armée, tu as battu Yassika. Oh, il y a une décision que non, nous allons récupérer par force. Notre terre, et même un gramme, il y a un inabiso, et qu'on est dans l'ennemité. Et là, quand il y a mis balé, il faut que je fasse. C'est que les Congolais n'ont pas de place, ils ont des réseaux sociaux, ils ont des balles. Bato, il y a opposition, il y a Oyo, il y a un alibi. Mais quand il y a un alibi, il y a un pensier, il y a un côté, il y a une flatterie. Il y a un peu de balle pour tout le monde, il y a un intéressant dans le peuple. Parce que Fayoulou n'apporte rien, il n'apportera rien. Il y a un Oui, je l'ai dit. Comme si tu étais un problème, tu cannabis, le français n'a pas échoué. Si on n'a pas échoué, les Français disent les premières impressions sont les meilleures. Nga na moni ba opposant, mususu, les rebuto be bani na est, ba décrété ta de ba beti ba boko. Ba le bien sûr décision qui toko. Ba ngo bazala ki réticent. À cette époque là, ba mona kité ke makile ko tanga. Toza na embargo, en connivence au Rwanda la communauté internationale. Bo la ni ni à propos ya Antonio Guterres. Ce qui veut dire qu'ils ont rencontré Batuya M23 dans Rwanda. Je pousse toutes les voies possibles pour prendre une décision responsable en ce qui concerne la protection de la frontière Nangaï, notre peuple Nangaï.
les lots, bah congolais, bah motivés à l'est du pays. Parce que, bah, dans le milieu, bah, dans la carte armée, bah, dans le corps, ça va militaire, bah, dans le milieu, bien sûr. Alors, la population est prête. Nous sommes prêts pour nos frères de l'Est. Nous avons de l'empathie. Le chef de l'État est là au front, le premier militaire qui se soucie de la situation de l'Est. Au moment où nous avons vu ce que nous avons vu, nous avons vu, on a récupéré au retour. C'est pourquoi on appelle les gens, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Ce sont des arguments qu'il utilise ici pour se faire important devant le public qui les suit. Mais au moment où nous, moi, je n'ai pas l'intérêt de mentir à mon peuple. Le chef de l'État a est fort. Il a des forces armées, il a des administrations, ils ont fait ça avec son courage. Il a des ciments armées, ils ont continué à faire ça avec des vraies informations sur le Congo de l'Est jusqu'à ce que le Congo va vaincre. Il y a l'unité interne, ils ont déjà. Ils ont se dissocier dans l'unité interne. L'unité interne, ils ont pour l'Est. Ils ont dit qu'ils opposé Nini. En dehors de la Fayou. Ils ont opposé Nini. Ils ont contre l'Est. Il n'y en a pas, il n'y a que Bango. Alors c'est pour vous dire l'unité, ça dit déjà Bango n'a pas besoin de se victimiser comme s'ils sont pas. Est-ce que beaucoup de la qui n'a battu ce que vous dites ma proposition à Bango? Maman, et même avec Kabila qui était au pouvoir. Kabila, Azan Akati a battu la Union sacrée. Kabila, c'est un collaborateur du président de la République. C'est un président honoraire. Azan sénateur. Quel jour il a rencontré? C'est faux, madame. Est-ce que quand Kabila peut discuter sur la situation de la sécurité avec le chef de l'État, il va consulter Fayoulou, n'est-ce pas? Il faut qu'il passe par chez lui pour que lui nous apporte des preuves que nous sommes solides ou solides. Merci beaucoup. L'unité existe. L'unité existe. Le chef de l'État, même dans son téléphone, même par n'importe quel moyen, les Congolais qui sont touchés par l'amour de leur pays l'encouragent d'aller de l'avant. Et puis, Bisso, Naba Onyo, Sobazanaka, Taïnos Sacré soutiennent, bah, avancer aux Anaest. Nous avons armé Moko Makasi, Naba Munition, oh, Naba Mindu, nous avons armé ma belle dame Bisso, nous allons gagner. Si lui croit que, bah, on va mettre à pied le revoir, on va gagner le combat à ce genre de mais moi, je veux la bataille, je veux la bataille. Merci beaucoup, Ndekoli. Merci, Ndekoli. Merci, Ndekoli. Nous sommes très élégants. Il ne dit même rien. Nous sommes très élégants. Non, on n'a pas dit non, c'est bien la politique, je vois, puis les gens sont dans le siège, je vois, puis les gens. Alors, mais nous, on nous a appris. Là, d'abord, on a politisé. Ouais, ouais. C'est pas un problème, j'accepte. C'est pour vous dire, ce, au moins, qu'on peut se battre les zones, on a sans être des politiques, il y a médiocrité. Sur un plateau sérieux comme Congo Buzz, on va dire, non, non, vous savez, la politique, on a sans été. Et qu'est-ce qu'on a fait côté, même les enfants qui nous suivent. Mais ça, c'est du politique. Tout le monde prochainement, toujours ma force, na armée, na biso fardissé, ils allaient toujours na front pour na ko rétablir dignité en Mboka Congo, tous à la semaine à Bango, pour que et sur les longos, tout le monde habite Mba Oyo. Tout le monde lobby. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jamesociety1@gmail.com.